Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, c'est le retour de Elisa Legault sur le podcast. On avait reçu Elisa euh, au tout début, pardon, du Upika podcast et euh, elle venait tout juste d'avoir une super performance au marathon d'Ottawa. On avait parlé de ça. Et là. Dernièrement, Elissa m'a écrit en fait parce qu'elle avait euh, un sujet qu'elle qu qu aurait aimé aborder sur le podcast. Parce que dans les dernières années, ça a été plus compliqué depuis en fait la dernière fois qu'on s'est parlé. Où est-ce que euh, Elisa a eu des, des super performances Elle a amené un genre de buzz autour d'elle pour peut-être les Olympiques de Paris. Et tout ça l'a mené dans une espèce de peut-être spirale qui l'a mené jusqu'à une fracture de stress assez grave qui l'a mis en inactivité complète pendant trois mois. Euh, et ce trois mois-là lui a permis de vraiment réfléchir à plusieurs aspects de sa pratique sportive. Et elle a finalement réalisé que son, ses blessures étaient liées à une sous-alimentation. Et on parle de ça. Vous le savez, sur le Epica Podcast, ça fait longtemps, ou du moins ça fait plusieurs podcasts dans lequel on parle de l'importance de bien alimenter sa performance, eh bien là, on parle à un athlète de niveau international qui a vécu, c'est quoi le, le, le manque d'alimentation, a vécu en fait, qu'est-ce qui peut se passer, le pire qui peut se passer, carrément, si tu n'alimentes pas bien ta performance, on parle de ça, on parle de sa nouvelle passion pour le triathlon. Et sa, son objectif pour cet été, qui est un demi ironman Évidemment, vous savez que c'est également mon objectif à moi, donc euh, on peut connecter là-dessus. Mais je crois que c'est vraiment une conversation extrêmement importante. Un message que Elissa porte, qui est un message que je crois qu'il doit être entendu le plus possible. Et j'ai l'impression que si cette tribune-ci peut servir à ça, euh, ben, ce sera déjà ça de gagner. Donc, euh, sans plus attendre en fait. En fait, non, je vais vous laisser attendre encore parce que tant qu'à parler de nutrition, on va parler de Upica qui euh, présente ce podcast-ci. Upica, c'est tous vos besoins en nutrition sportive spécifique au sport d'endurance. Le UPICA Endurance et Endurance Plus, pour pendant l'effort, on a le Upika Carb Boost, qui est notre euh, formule de glucides qui permet d'atteindre plus facilement vos cibles de nutrition. On en parle justement pendant le podcast des cibles de nutrition importantes durant les efforts d'endurance. Et on a le Upica Récup, qui est le produit optimal pour permettre à votre corps de récupérer après les efforts pour aller chercher les adaptations nécessaires à l'atteinte de vos objectifs. Utilisez Upica Podcast comme code promo pour 10% de rabais au upica.ca. Encore une fois, c'était vraiment une belle conversation avec un message extrêmement important. Puis je vous souhaite un bon podcast. Mmh. Fait qu'on va juste continuer notre discussion comme on l'avait. C'est fait fait. vrai qu'il n'y a pas l'équivalent du tapis roulant pour le, la piscine. Non. <laughs> fait que tu peux pas, genre, non plus avoir cet échappatoire-là. Faut tout le temps que tu fasses avec oui. le bain libre, avec les gens, avec les, les couloirs que t'as, oui. avec les heures. Faut que tu respectes oui. ça. Oui. C'est nouveau pour toi, quand même, là. Oui. mais ben, tu sais, dans le temps, ça fait un bout, là. Je, je pense que j'ai arrêté... Les... Okay. Ben, mon... Dans mon jeune temps, j'ai arrêté à 15 ans, je pense. que De je faire de la mm -hmm. Tout ça, c'était avant, c'était organisé par un club de triathlon, fait que... Moi, j'avais pas à penser à quand je me pointe à la piscine, puis les heures, puis euh, tout. C'était organisé pour moi. Là. Mais là, ouais. oui, c'est nouveau. Ouais. Mais euh, je t'ai trouvé vraiment bonne, en tout cas, parce qu'hier, pour ceux qui écoutent, on, on est allé euh, nager ensemble, pour que oui. je regarde un peu de quoi ça a l'air, pour que je te donne <laughs> deux, trois conseils. Mais je t'ai trouvé vraiment bonne. Là, genre, tu pars pas de loin euh, tant que ça, tu sais. T'étais déjà capable, c'est ça que j'expliquais dans le podcast Natation que j'ai fait euh, sur le Hippico Podcast. Faut que, tant que t'es pas capable de nager lentement, à basse intensité, ça sert à rien de faire rien d'autre que mm. de travailler ta technique et de t'assurer d'être capable de le faire. Ça mm. sert à rien de faire de la vitesse si tu n'es pas capable de nager lentement, comme c'est inutile. Fait qu'au moins, mm. tu es capable de nager à basse intensité longtemps. fait qu'à partir de là, le reste est, est pas mal plus facile à aller chercher. Oui, oui. Ouais. Juste des petits trucs que tu m'as donné, puis je pense que ouais. ça va être mieux. Puis une autre affaire, comment on remarque, moi, c'était euh, chez les. Les jeunes que je coachais, j'ai coaché comme pendant 12 ans à plusieurs niveaux. Puis rapidement, tu vois les... quels jeunes ont des aptitudes euh, sportives au-dessus de la moyenne parce que tu donnes un commentaire, puis la rétroaction est directe. Puis hier, c'est ça qui s'est passé. Je te disais, hey, ton menton est trop haut, puis la longueur d'après, la mm. position était comme réglée, pas à 100 mais au moins, tu y as pensé et tu as compris ce que je voulais dire par ça. Ça fait mm. que ça, souvent, comme l'espèce de capacité… Euh, euh, spatial euh, dans, dans l'espace des, des gens, ça c'est quand même une preuve de, de gens qui ont un, un background athlétique ou du moins qui ont une prédisposition athlétique. Oui, je pense que c'est ça je me questionnais aussi si avec plus tu fais du sport, plus tu apprends à connaître ton corps et à savoir un peu euh, comment justement comment bouger dans l'espace. Ouais. Euh, ouais. Fait nouvelle <rire> <rire> Beaucoup de changements depuis là, la fois qu'on t'a reçu On t'a reçu comme si on était plusieurs dans ce projet là. là. <laughs> Je t'ai reçu sur le Epica Podcast, je pense, dans les cinq premiers épisodes, si je me trompe pas. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis là, on est rendu au-dessus de, je ne sais même pas, au-dessus de 50, au-dessus de 60 peut-être. Mais euh, beaucoup de choses qui ont changé dans, dans ta vie depuis ce moment-là. Oui. Peux-tu m'en parler un peu? <laughs> tu peux prendre cette question-là à partir de, de, de plein de bouts. Parce que je sais que quand on s'est parlé, avais encore... ben, tu travaillais à temps partiel, tu courais. Puis là, tu te disais, je sais pas trop, j'aimerais ça mettre peut-être plus de temps dans, dans l'entraînement, puis tu ne savais pas trop pa vers où ça allait. Tu venais, on venait de faire le marathon oui. d'Ottawa, voilà, deux... Ça va faire deux ans. Ça hein? va faire deux ans là, là ouais. quand, au marathon d'Ottawa, prochain marathon d'Ottawa, ça va faire deux ans. Euh, fait qu'est-ce qui s'est passé depuis ces deux ans-là, pour les gens <laughs> qui t'ont pas suivi? Puis je vais juste remonter ton micro une Encore? seconde. Comme ça? Ouais. Euh, ben, il y a eu beaucoup, effectivement, de changements, d'essais de ma part, ouais. euh, beaucoup de remises en question. Euh, ben, c'est ça, t'as dit, dans le fond, que je me questionnais à savoir si je réduisais encore mon travail, si ouais. je le quittais complètement. c'était ça, à ce moment-là. Euh, Tout l'été, en fait, après le marathon d'Ottawa, j'ai beaucoup euh, pensé à quitter mon emploi, puis je l'ai finalement fait euh, en septembre, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Euh, fait que ça a été vraiment une belle expérience aussi de vivre un peu la vie d'athlète à 100 ouais. euh, Je regardais... J'ai je reçu ma soeur aussi. Là. Mm -hmm. Ça fait des années que je regarde ma soeur qui le fait. fais ça? Oui. Puis euh, au début, je, je le comprenais pas trop. Puis plus j'aimais le sport, plus je me disais « Hey, je suis un peu jalouse. » Moi aussi, j'aimerais ça être oui. capable de faire ce qu'elle a fait mm -hmm. puis de juste pouvoir me concentrer sur le sport. Puis c'est pas comme si tu n'avais pas le talent... Pour le faire, tu sais, ou tu pas le mmh. niveau pour le faire. Il y a sûrement ouais. du monde qui le faisait qui avait pas ton niveau, carrément. Là, tu sais. Ben, tu vois, tu dis ça, puis moi, je me sentais encore Imposteur. un peu un buster mmh. à ce niveau-là. Puis, euh, rapidement, après avoir quitté mon emploi, j'ai fait le demi-marathon de balance. Puis, à ce moment-là, euh, j'ai fait mon. Ben, encore à ce jour, j'ai fait mon meilleur temps sur le demi-marathon, puis ça l'a ça donné que c'était le record du Québec. Mmh. Fait c'est un petit peu con mais ça allait comme un peu validé à ce moment-là mon choix J'ai comme ah tu sais j'ai réussi à faire un meilleur temps puis encore là l'effet de comme pas travailler était pas là parce que c'était ouais. comme un mois et demi après fait que c'est sûr que première canadienne au marathon d'Ottawa c'était pas assez pour te dire que t'étais bonne deuxième canadienne. deuxième canadienne c'était pas assez pour te dire que t'étais bonne fait que fallait que tu fasses le record du Québec sur demi-marathon pour te dire Ah ben peut-être que j'ai ma place finalement à faire du <laughs> sport à temps plein Oui, ben écoute, ça, ça a comme validé un peu mon choix. Puis ensuite, j'ai eu l'occasion d'aller en Équateur avec ma soeur pour m'entraîner ouais. en altitude. Fait que ça aussi, c'était cool parce que quand on s'était parlé, je venais d'aller faire un, un camp à flagstaff, mm -hmm. mais je travaillais en même temps. Fait que c'était tout le temps de, de balancer un peu les deux. J'essayais de faire une sieste l'après-midi, ouais. je prenais une pause de travail. Fait que là, tu sais, ça a été vraiment un camp focus sur euh, l'entraînement, sauf que j'ai rapidement réalisé que la course à pied... Oh. En fait, moi, je, je mettais mon, mon idée d'un athlète sur ce que je connaissais un peu le plus, puis c'était ma soeur. Puis ma soeur, ouais. c'est une triathlète. Euh, le triathlon, c'est pas la même chose que la course à pied dans le sens non. que t'as beaucoup plus d'heures d'entraînement en triathlon, puis tu peux en faire plus. Tu si peux en 30. faire plus, puis c'est... Euh, je, je vais te laisser continuer parce que je sens que tu t'en vas dans <laughs> cette direction-là aussi. Là. Ben, c'est ça. Ça euh... peut être challengeant quand même que tu vois ta soeur qui est capable de mettre en camp d'entraînement 20-25 heures. Oui. Puis toi, tu peux pas parce ouais. que c'est impossible de courir 20-25 heures. Tu sais. Ben, c'est ça. Puis tu sais, j'ai fait, fait ma plus grosse semaine à vie en termes de kilomètres, puis probablement en heures aussi. Euh, quand j'étais en altitude, j'ai fait 198 kilomètres. <laughs> fait, ce deux là tu, ce deux -là, ça. tu fais, ah, c'est vraiment que tu n'es plus capable ouais. quand tu fais pas les deux de plus. Là. Non, <laughs> ben, en fait, c'est que je suis perfectionniste ouais. à tous les niveaux. Puis Ce perfectionniste-là m'a permis aussi de dire, bon, mon plan m'a mené à là, puis le 200 km sera pour une autre fois. Mm -hmm. Mais il y a beaucoup de moments qui dit, pourquoi tu pas sorti ouais, pour ouais. genre 2 km? Mais je sais que... 198, c'est vraiment beaucoup de km. Oui, en altitude en plus. C'est. Moi mes plus grosses semaines, ma plus grosse semaine, je l'ai tapé à 144 puis j'ai je me suis littéralement c'était dans une je me, me préparais pour le marathon d'Ottawa l'année passée puis c'est après cette semaine-là que j'ai cancellé ma préparation parce que j'ai fait je, je suis plus capable de marcher, j'étais plus capable okay. de marcher. Je me suis blessé au point où est-ce que ma blonde voulait qu'on aille se promener dans le Vieux-Québec, je sortais de chez nous, je descendais le trottoir, puis je faisais je peux pas marcher. J'ai genre j'avais mal, j'étais pété de partout. Oui. 144 km, c'est pas 198. je hum. ben, pense qu'il y a une progression aussi. J'ai passé par mon premier, marat... ben mon deuxième, là, que je me rappelle un peu plus de ma préparation, je pense que ma plus grosse semaine, c'était une semaine à 110. Mm -hmm. Fait il y a une progression a à un tout. Mais c'est un peu, un, un peu en lien avec le sujet pourquoi je t'ai ouais. demandé ouais, de vouloir venir discuter le podcast. Puis je crois de plus en plus que less is better, puis que notre corps a une limite, il faut le respecter. Puis, on dirait qu'on voit de plus en plus que... Ça me fait penser... J'écoute pas mal tous les podcasts que tu mm -hmm. fais sur Upica. Puis ça m'a fait penser, je pense, c'est avec euh, le gars qui a fait le, En 100 jours, là, le Ironman Man. Euh, Dan Danovic. Oui. Mm -hmm. vous, avez, vous disiez que c'était de plus en plus populaire, mettons l'entraînement, puis que c'était une, une genre de mode, mettons. Ouais. Puis ça, je trouve ça bien. C'est juste que, moi, mon opinion, c'est plus il y a des limites aussi ouais. à avoir, puis à, mmh. des étapes à franchir, puis de... Tu on a comme tous nos, nos modèles, puis tout, mais des fois, c'est des athlètes élites qui font ça de leur vie, Exactement. que ça fait des années d'expérience qu'ils ont, puis je pense que c'est un peu ça qu'il faut faire attention, puis de se laisser emporter, puis moi-même, j'ai été victime de ça. Je, je suis tombée athlète à temps plein, j'avais le temps de m'entraîner, je voulais toujours en faire plus, puis je m'étais jamais blessée, fait que je me disais, je suis capable d'en prendre, ouais. puis... Euh, fait puis que là, ça. toi ce que tu as dans ta tête, c'est les, les Kenyans, puis ouais. les Éthiopiens qui eux autres on sait ou genre ils font 220-230 kilos à toutes les semaines. Mm. Mais eux autres font ça depuis qu'ils ont 12 ans. Là. Oui, c'est ça. <laughs> Exactement. Des fois, c'est juste ou les. Mettons les filles aux États-Unis qui ouais. sont capables de le faire aussi, mais des fois, c'est juste une équipe aussi qui ont autour d'eux pis. Des conditions différentes. Puis peu si importe. Si il faut faire hein. un massage après toutes les courses, y des, ouais. y des que, il y a moins de chances qu'il y ait des tensions qui s'accumulent. Exactement. Fait que, tu sais, je pense qu'il y en a qui sont capables d'en prendre plus que d'autres aussi. Je pense que c'est de connaître ses limites. Mm -hmm. Mais, euh, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait de ma plus grosse semaine d'entraînement à vie en Équateur. ça a bien passé. Ouais, honnêtement. Mais c'est ça l'affaire. C'est que je pense que ça apparaît pas tout de suite. C'est ça qui ouais. est terrible. Là. Ça peut prendre des mois là, avant que. c'est ça, j'ai eu deux athlètes que je coach qui sont partis. Euh, avec la clinique du coureur, si je ne me trompe pas, au Kenya. Puis je leur ai dit, je me suis comme, faites attention, vous n'allez pas sentir tout de suite la fatigue de l'altitude, mais ça peut être des mois plus tard, fait que de ne pas pousser trop aussi au début, première mm -hmm. l'expérience, etc. Fait que, euh, fait que oui, sur le coup, ça a super bien passé, puis euh, <laughs> tout ouais. est beau, tu penses que tu es capable de tout prendre ça, ouais. puis que ça se passe bien. Puis euh, dans le fond, je préparais le marathon de Houston à ce moment-là, puis j'avais quand même des. Des, des gros objectifs. J'avais ouais. euh, quitté mon emploi. Il y avait eu comme une vague de comme Ah, ben Elissa vient de faire le record du Québec. Elissa le, est arrivé deuxième au marathon d'Ottawa. Fait qu'Elissa, ben la suite logique, ça serait qu'elle essaie de se qualifier pour Paris. Mm -hmm. euh, cette idée-là de, des Olympiques m'était venue assez tôt par un massothérapeute. Qui me, dans le fond, qui me massait, dans le fond. Mm -hmm. puis, il venait pas <laughs> faire la cuisine job? chez vous, là. <laughs> c'est ça. <laughs> puis, euh, il avait, tu sais, lui, il avait vu un potentiel en moi au début, début, là avant que je commence à faire des gros chronos plus euh, ouais. impressionnants, si je peux dire. Puis, il m'avait mis cette idée-là un peu dans la tête, mais moi, je disais, bon, c tu sais, oui, peut-être j'ai un talent, mais à ce point-là, je pense pas. Ouais. J'y croyais pas trop, puis on dirait que c'est comme un peu la. La pression publique ou l'engouement public qui a fait que, bon, ben, c'est comme ça la suite logique, il faut que j'essaie de me qualifier pour les Olympiques. Mm -hmm. Puis, c'était pas les Olympiques de 2028, c'était les Olympiques de 2024. Ouais. Ça venait assez vite, mettons. Puis, il y avait quand même un gros range. là. C Le standard pour Tokyo, c'était 2,29,30 pour les femmes, mais pour Paris, c'était rendu 2,26,50. Ouais. Puis là, ils viennent de sortir les standards pour les championnats du monde de 2025. Puis c'est 2,23 quelque chose. C'est agressivement plus rapide que ouais. 2,28. Oui, ouais. c'est ça. Fait que euh, j'allais à Houston sans mettre extrêmement de pression parce que la fenêtre de qualification venait juste d'ouvrir. Fait que je me disais « Bon, ben, si c'est pas là, j'ai quand même d'autres hein. shots. » euh, Mais j'espérais quand même de passer en bas de 2h30. Là. Ça me donnait déjà un, un jeu sur comme, ma prochaine performance. Puis, euh, c'est un autre des aspects que je voulais discuter, mais j'avais pas assez pratiqué ma nutrition à l'entraînement. Ouais. Fait que j'ai eu extrêmement des problèmes digestifs pendant la course. Puis ça m'a complètement ennuyée. J'ai ouais. vraiment eu… Un... une fois que ça arrive, il n'y a rien à faire. Ah non, c'est terrible. Fait que je pense que les derniers 15 kilomètres, j'ai géré des, des problèmes ah, de ouais. digestion. Là. Ça a été vraiment, vraiment vraiment ma pire expérience, je pense. Ouais. C'est extrêmement pénible. Oui. Puis, est-ce est que c'est… <coughs> Marathon Houston il est en quelle est à quelle période de temps? Janvier. Janvier? Fait que quand t'étais venu courir avec nous à Québec, là, avec euh, Guillaume puis euh, Charles, je pense, là. C'est juste après, je me rappelle. Après OK. Fait que c'est après parce que je me rappelle que t'avais une attention vraiment particulière pendant cette long run-là. On avait fait, je pense, 25 kilos, 4,45 45. Ouais. Puis t'avais une attention particulière à comme manger, là. Ouais. Alors que c'était pas. On n'était pas parti pour 3 heures, ouais. tu sais, mais c'est comme on fait un 25 kilos puis. Je pense que t'avais pris comme trois barres exact pendant la première heure. Chacun OK, là, elle travaille pour de vrai, là. Elle travaille ouais. fort sur son, sur son affaire, Oui, ben c'est ça. C'est mon côté perfectionniste. Ouais. Puis j'ai vu c'est ça qu'il faut que tu fasses, t'as pas le choix, là. Oui, tu il sais. oui, faut vraiment. Là. Ouais. Surtout. Je pense qu'il y a des gens qui le tolèrent un petit peu mieux que d'autres, je crois. Fait que, mais dans mon cas, c'était vraiment pas c'était vraiment pas le cas. Fait que j'ai dé décidé que c'était ça qu'il fallait que je travaille parce que j'aime pas ça parler quand je j'ai pas réussi à accomplir quelque chose mais je sentais que à Houston j'étais prête pour mieux qu'est-ce mm -hmm. que j'ai accompli mm -hmm. c'est sûr que j'ai arrêté deux fois à cause ouais. de mes problèmes de digestion pour la toilette ouais, ouais. puis tout l'aspect mental qui rentre puis tout une fait une fois que, que t'as sort de ta course ça te sort de ta ouais. course là. Ouais. Fait, que fait que je me suis dit si je peux gérer ça je pense que je vais faire de performance, que je vais être contente fait que c'est pour ça que j'avais commencé à travailler ma nutrition mais encore là c'était pas pas. Euh, c'est difficile pour moi. Là. Ça a toujours été difficile de le pratiquer. J'ai ouais. vraiment beaucoup de problèmes à prendre la, des glucides à l'effort. Fait que. Euh, fait que ça. Puis j'ai eu un changement de coach, en fait, euh, avec le marathon de Houston. Fait que okay. quand on s'est vu, je venais probablement juste de changer de coach. Um, une raison, principale une pause d'embarquer là-dedans, si tu veux pas. Là. Ah, euh, ben, c'est. Je pense que ça ne m'a jamais gêné d'en parler. Là. Puis mon ancien entraîneur, on a gardé une bonne relation quand mmh. même aussi. C'est plus que c'était comme un petit papa, mon ancien entraîneur. Mmh. Puis j'avais l'impression. Ben non. En fait, je voulais être plus poussée. Puis je voulais voir mon plein potentiel. Puis j'avais l'impression. Lui, dans le fond, il coach plus des adolescents sur la piste. Fait que j'avais l'impression qu'au niveau entraînement marathon. T'sais, des fois j'allais voir mettons ce que Natasha Wadak, la championne canadienne euh, elle faisait puis j'y proposais des entraînements puis ça c'est tout à son avantage parce que souvent il disaient « disait ah, ben ouais, oui on va essayer ouais. ça puis tu sais il était très ouvert il était pas euh, orgueilleux comme mais l'initiative n'est pas de lui mettons puis le plan n'était pas structuré assez, alors, avec ça en tête ben non c'est ça moi, je voulais essayer d'aller un petit peu, d'en faire plus. Ouais, ouais, <laughs> fait que, euh, que j'ai changé de coach. allé avec euh, Reed Colset. Je pense que, dans le fond, t'avais reçu Anne-Marie euh, Comeau. Oui. Puis, dans le fond, Jean-Philippe Roussel. J.P. s'en tenait sont... avec lui, oui. Ouais, fait que les deux sont coachés par euh, lui. Euh, j'ai un gars, genre, à 2,14 au marathon, là, je pense. Ouais. <laughs> je pense même 2,10, si je ah, ne me trompe ouais, pas. C'est puis l'expérience olympique puis se passait ça aussi mon ancien entraîneur tu sais il savait pas exactement c'était quoi tous les critères qu'il fallait accomplir pour se qualifier les quoi les, les bons choix de course et tout fait que c'était un peu euh, c'est un peu ça aussi voulais ouais. avoir un meilleur appui à ce niveau-là donc euh, j'ai changé pour Reed puis euh, ça s'est super bien passé, c'est une personne vraiment attentionnée, qu'on avait des bonnes discussions, toujours prêt à m'aider et tout. Sauf que les entraînements étaient vraiment plus difficiles. Ouais. C'est ça que je voulais, ouais. c'est vraiment ça que je voulais, mais c'était vraiment un game changer au niveau des entraînements. J'ai fait ma plus grosse séance euh, à vie, je me rappellerai toujours, c'était un 8 x 3 km, puis j'étais partie juste en, un peu en haut du pace demi-marathon, puis j'avais fini en bas de mon pace demi-marathon. Fait qu'un 24 km de travail. C'est débile, ça. Ça m'avait donné 37 km. Ça n'a pas de sens. Ça. À comme 3,50 au, 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 euh, en général avec warm-up, cool-down, sens. les jogs. J'avais fini, j'étais complètement pété. Très fier de ma séance, oh, mais ouais. complètement pété. Mais ça, ça, ça te coûte euh, tellement <laughs> ouais. cher, là. Ça ouais. te coûte tellement cher. Ouais. C'est fou, là. Ouais. Parce que le repos, la récupération que ça te prend pour permettre à cette séance-là de. Bien créer les adaptations. Mm. C'est. Je veux dire, tu cours un demi-marathon, dans le fond. Là. Oui. C'est comme. Tu sais, après un demi-marathon, on te dit prends deux semaines off. Oui. Puis là, j'imagine, c'est un bloc dans un bloc puis t'as un oui. entraînement, de, de, t'as un tempo dans trois jours. Là. Genre, je sais qu'on avait comme. Tu sais, j'avais eu un peu plus de repos avant, un peu plus de. On savait ah, que c'est ouais. une séance clé, mettons, mais jamais comme une race, mettons. Oui. Fait que ouais, ça, ça m'avait marqué vraiment beaucoup parce que j'avais trouvé ça extrêmement dur, mais j'avais été très fière parce que j'avais exécuté bien fait, là, vraiment ouais. bien. Là. Ça m'en confiance, c'est sûr, Oui, là, ouais. Vraiment. Euh, fait que c'est ça. J'ai eu ce changement-là. Il m'a permis de faire un pibi sur 5 km. Ben ça ouais. faisait longtemps que j'avais couru un 5 km aussi, mais j'avais été agréablement surprise ouais. du temps que ça m'avait donné. Fait que j'étais comment ça fonctionne. Puis euh, après, ah, il y a eu les championnats 10 km à Ottawa, ouais. il y a eu beaucoup de chaleur, moi j'ai mal géré ça, ouais. j'ai mal géré ma course en fait à ce niveau-là. Puis ensuite, il me fallait que je fasse un championnat canadien pour les critères élites euh, pour la Fédé du mm -hmm. Québec. Fait que suis allée à Winnipeg, puis euh, j'allais là, c'était vraiment pas dans la planète on l'a comme décidé dans la minute parce qu'on a réalisé qu'on avait besoin de tout ça. Puis finalement, tu là, je réalisais, quand tu te mets pas de pression, je suis partie, j'avais l'impression de faire un workout avec des amis, puis mm -hmm. finalement, tu sais, j'ai gagné. Fait que c'est ça, j'ai vu, j'étais comme... Hey, J'étais zéro stressé sur la ligne de départ puis finalement j'ai super bien fait, ouais. fait que des fois je me disais je me mettais trop de pression puis c'est là que ça peut Puis même euh, tu sais là je veux pas comme le stress c'est du stress là ouais. que ce soit mécanique ou mental mm. puis que ce soit du stress sur tes articulations sur tes tissus ou que ce soit du stress dans ta vie de tous les jours mais j'ai l'impression que si t'es stressé probablement que t'es moins lourd sur le côté digestif aussi là. Oui totalement, c'est une si impression je suis que j'ai quand tu mets oui. vraiment de la pression, peut-être que t'as plus mal au ventre facilement là. Oui. Dit ça. Puis peut-être qu'il y a des, des études sur ça. Je ben, veux je pas m'avancer, a... je fais juste oui. parler en mon, oui. <laughs> mon propre nom là, puis je veux pas dire que c'est scientifiquement prouvé, mais oui. c'est une impression que j'ai. Ben, ma nutritionniste me l'avait dit, Elle dit tu t'essaies de pratiquer mettons un certain, pour moi un challenge, c'était comme mettons 70-75 grammes à l'heure. Puis de dire ok ben en compétition je vais faire 80 ou 85 de cette quantité là parce qu'il mm -hmm. y a tout plein d'aspects qui rentrent en jeu dont le stress de, du ouais. jour de course donc ouais, 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 ouais. ça fait vraiment du sens euh, ouais fait que j'ai couru Winnipeg puis euh, j'étais censée faire le marathon de Berlin ouais. euh, pour un deuxième essai de qualification puis finalement deux jours après le demi marathon de Winnipeg j'ai un appel du euh, Entraîneur chef de Athletics Canada qui me demandait si je voulais joindre l'équipe pour les championnats du Monde. Oui. Euh, fait que là, j'étais comme, ben là, c'est sûr que oui. Tu sais, je, même si ça mettait en jeu un petit peu ma, ma, ma qualification ouais. pour les Olympiques, je me dis je, je sais même pas, je vais aller faire les Olympiques, mais ça me permet mais ça, au moins de. C'est une équipe nationale. C'est de... ça. Fait ouais. que, que j'avais accepté, sauf que ça a fait en sorte qu'au lieu d'avoir une semaine de récup après Winnipeg, que je courais, je pense, pas pendant comme 4-5 jours juste pour me laisser récupérer. Euh, on a embarqué tout de suite sur la préparation marathon. Parce que je pense qu'on avait comme un cinq semaines de moins mm -hmm. que Berlin. Euh, puis ça a pris un mois. Puis mon tendon d'Achille a, pas, euh, Il a suivi. pas suivi. Non. C'est ça a été ma première vraie blessure qui m'a empêchée de courir parce qu'avant j'avais toujours eu des petites affaires qui sortaient mais sans que je doive arrêter plus que mettons deux jours de course. Ça, j'ai arrêté, je pense, 4-5 semaines avec l'elliptique au moins. Mais j'ai dû me retirer assez rapidement de l'équipe parce que je voyais que ça n'allait pas marcher. Ouais. Euh, mais on dirait que je n'ai pas assez appris de cette blessure-là parce que quand je suis revenue, je suis revenue assez difficile. Est-ce que quand, quand ça, ça arrive, tu te dis tu essaies de trouver une raison pourquoi ou tu dis ah, comme une blessure de course, je guéris puis je repars là. Ben, de mon côté, c'est que j'ai toujours géré mon tendon d'Achille droit dans le sens qu'il était toujours sensible, euh, mais jamais pour m'arrêter de courir. Puis j'avais trouvé des petites techniques pour que ça marche. souvent si je faisais des extrêmement longues sorties, des fois le lendemain c'était un peu plus sensible ou quand je mettais les spikes sur la track, mais mm -hmm. là ça ça engage plus les mollets, fait que ça aussi. Fait que quand c'était mon gauche qui est sorti d'un coup, je me suis dit ah ben depuis des années il compense ou on dirait, je me suis pas questionnée puis j'aurais peut-être dû. Fait que non, effectivement, je me, je me suis comme pas. Euh, J'ai essayé de régler ça, puis j'avais tellement en tête. C'est ça l'affaire, c'est que j'avais tellement en tête. J'étais vraiment. J'avais des hier puis je me disais, faut que je fasse le standard olympique. Ouais. faut que je me remette dedans. Puis là, c'était Valence, en ouais. décembre. Fait que je suis revenue assez rapidement. c'est de, de patcher le. C'est de passer la mop sur le plancher à la place de fermer les Ouais. Là. C'est comme, est-ce que ton corps va bien pour vrai? Ouais. Ou, c'est comme, OK, là, c'est réglé, on passe à d'autres ouais. choses, puis on continue l'objectif qui était la qualification. Fait que. Je... Puis c'est ça, j'ai eu, je pense, entre autres, à une discussion que j'avais avec un ami de course qui me dit, Ah, mais tu sais, après que je me sois blessé la deuxième fois, il dit, Ah, mais je trouvais que t'avais revenu vite. De, de Winnipeg, là. Non, de ma blessure. OK, de, de ta blessure, ok, okay, okay. Oui, comme, il me semble que t'as pas, pro pas progressé assez, me tombe. Je sais comment, ah bon. <laughs> tu veux pas. Tu, ah t'aurais dû me le dire, mais en oh, même temps, je l'aurais-tu écouté. pas sa place de pas dire ça, sûr, de je façon, pense pas, ouais. <laughs> Fait que. Euh, je suis revenue. Je, je dois être revenue en septembre environ de ma blessure là, pour avril, une fois que j'avais fini un peu la marche-course et tout. Puis, euh, ça n'a pas été long. Là, la forme revenait assez rapidement. Puis, j'étais contente de ça. j'ai fait une autre bonne séance euh, début octobre. Euh, je fais la séance, c'était la semaine qui faisait un peu plus chaud que normal. Puis je, ça m'a marqué juste parce que, dans le fond, je, euh, quand j'ai commencé mon cool down, je me sentais vraiment déshydratée. J'avais une crampe dans le ventre. Puis ça n'a pas été long j'ai commencé à avoir une crampe dans le fessier. Puis je pensais juste sûr, que j'étais déshydratée. Puis là, en après-midi, ça a été de pire en pire. Puis je commençais à avoir vraiment mal dans le bas du dos, le fessier. Oh ouais. Fait que là, je sais comment, je pense pas que c'est juste la déshydratation. Fait que là, je parle un peu avec ma soeur. Puis elle dit Ah, oh, c'est peut-être ton sacro ilia qui est coincé, dans le fond. Fait que là, j'essayais de prendre un rendez-vous rapidement avec un quiro. Puis j'ai réussi à en avoir un, peut-être trois ou quatre jours après. Puis ma soeur m'avait dit, elle, elle avait déjà eu le sacro ilia qui était coincé. Fait qu'elle me dit bon, ben bah, habituellement, moi, ce qui fonctionne, c'est qu'il me le débloque, puis le lendemain, vrai, ouais. je suis correcte. T'sais. Fait que. Pleine d'espoir <laughs> que ça va passer finalement écoute ça a pris trois semaines avec des rendez-vous à chaque comme quatre jours au kiro fait que je dois avoir vu comme le kiro quatre fois ça s'améliorait ça, ça pas ah ouais. j'étais incapable de courir plus que 200 mètres puis ça venait me chercher jusqu'à en avant du ventre puis une grosse douleur ben bizarre fait que mm -hmm. là j'ai dit ok ça marche pas je commence à faire des recherches sur Internet. C'est pas tellement mm -hmm. tout le temps la chose mm -hmm. à faire, mais en fait, ça m'a donné. Vous ma... êtes en train de mourir. Ouais, c'est ça. <laughs> ah, <mais> tant mieux. <laughs> cool, cool. Fait euh, j'ai eu. Dans mes recherches, il y avait l'option de la fracture de stress au sacrum. Mm -hmm. Puis au début, j'étais comme, ah, ça peut-tu vraiment être ça? Puis là, je lui disais les symptômes. Je suis comme, ah, ça ressemble pas mal à ce que j'ai. Euh, J'en ai parlé avec mon chiro. Puis lui, il s'est senti mal pour ça, mais j'étais comme, c'est pas de ta faute. Mais il disait, tu sais, pour que. Il y a une fracture de stress au sacrum. Le sacrum, c'est tout l'os du bassin. Puis l'os du bassin, avant qu'il y ait une fracture de stress, c'est d'autres choses habituellement qui lâche. Mm -hmm. C'est pas comme dans le pied ou dans le fémur que c'est un os plus petit, que c'est plus normal, mettons, qu'il y ait une fracture. Fait que lui, il pensait pas que c'était ça. Sauf que j'ai quand même parlé avec l'entraîneur-chef de la Fédération du Québec, puis il m'a fait venir à Québec pour un IRM. J'ai vu cette journée-là la physio de l'équipe du Québec. J'ai vu euh, Charles Cassongué. Ouais. Puis j'ai vu la médecin euh, pour avoir moi, euh, IRM. mon IRM. Puis la seule personne qui était convaincue que c'est une fracture de stress c'est la médecin. Ah ouais. À ce moment-là, puis sais là, je mets le blanc sur personne en sens, mais, mais juste il y a personne qui pense que c'est ça. C'est vraiment, c'est pas un suspect affaire-là. Ouais. Cette, cette, cette ouais. Affaire -là. Mais elle a elle, elle faisait son diagnostic et a dit non, c'est une fracture de stress, je suis pas mal sûre. Ouais. Euh, fait que je fais le IRM, puis ça a pris 12 heures, à me rappeler. Euh, bon, j'ai appris que les fractures de stress sont sur 4 grades, puis j'avais le quatrième grade qui est le plus grave. Mm -hmm. euh, c'était un minimum 3 mois d'arrêt. Euh, <laughs> C'est la première fois j'en parle. Ouais. Je, euh, puis euh, c'était d'arrêt de tout. Ouais. j'ai un chien je pouvais pas aller marcher mon chien ouais. euh, je pouvais rien faire c'était repos Avec total complet. total total parce qu'une fracture de stress c'est si tu si tu la ré réagis ben, si tu fais de quoi dessus tu recommences à, à 1. un oui. le tu recommences au jour un le tu sais. oui ouais, 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 ouais exactement fait qu'il a comme pas, y a pas de chance à prendre il y a pas d'affaire de revenir un peu plus tôt là ouais non c'est ça parce que dans le fond tu la fracture c'est une une genre de crack dans ton os ouais. mettons puis euh, faut vraiment que ça soit reconsolidé pour être sûr que c'est guéri dans ouais. le fond parce que si c'est à moitié parce qu'on l'entend aussi des fractures de euh, euh, stress reaction ouais. fait que avant la fracture de stress mm -hmm. fait que des fois il y a des signaux pour ça puis moi c'est ça l'affaire qui me frustrée là dedans c'est que du jour au lendemain j'ai eu la douleur mais j'ai jamais Eu de douleurs avant ça ouais. au niveau de mon bassin pour me dire, il hey, y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Mm -hmm. La dernière douleur que j'avais eu c'était mon tendon d'Achille. T'avais ouais. jamais. T'avais aucune. C'était arrivé vraiment out of nowhere. Oui. J'ai fait un gros training. Pendant le training, jamais. J'étais sûrement vraiment réchauffée. Puis juste, ça a demandé beaucoup sur mon corps cette journée-là. Puis c'est pendant le cool-down. J'avais changé mes souliers. Tu sais, je m'étais penchée probablement quelque chose puis euh, faire pour ça t'es allé jouer là-dedans euh, t'allais faire craquer le <laughs> bassin par ton kirode ouais. quatre fois en trois semaines c'est optimal t'étais <laughs> peut-être pas à quatre ouais, sur quatre ça. quand t'étais avant d'aller là, là. Oui. fait que euh, fait que ça a été de puis, tu sais à ce moment-là je travaillais pas encore ouais fait que là c'est bon je fais quoi de ma vie ouais là, je suis <laughs> je rien pas là ouais. je, je fais quoi je suis rien je peux rien faire euh, je peux puis, je suis quelqu'un qui n'aimait même pas les journées. J'avais pas beaucoup de journées de congés. J'aimais ouais. pas les journées de congés. Je me rappelle, le premier podcast qu'on a fait ensemble, tu me disais, moi, j'aime juste ça courir. J'aime ouais. ça courir. Fait aller d'une journée de congé ça m'intéresse pas. Non, c'est ça. Maintenant, j'ai une journée de congé par semaine. <laughs> Puis, je, <l> euh, <laughs> je suis contente de l'avoir. Oui, oui. Mais, euh, fait que c'est ça. Ça a été de, de comprendre aussi, ça venait d'où. Puis, c'était un peu pour ça, en fait, ouais. que je t'ai écrit initialement parce que. Euh, j'ai certaines personnes que j'entraîne que j'ai eu des discussions puis je pense que c'est pas assez discuté en fait là, euh, ma fracture de stress a été causée par euh, red je sais pas si tu as déjà entendu non. Non, tu m'as écrit euh... ça puis j'ai cherché puis ça me donnait j'ai écrit red injury sur Google, puis ça me donnait les, les blessures des Reds de l'équipe de baseball. <laughs> J'étais comme, c'est pas ça. C'est je, je pas ça là. <laughs> euh, je vais pas me massacrer avec mon super anglais là, mais c'est euh, relative energy deficiency. Ouais. Donc en gros, c'est que t'as pas assez de, tu, prends, tu manges pas assez mm -hmm. pour l'énergie que tu dépenses. Fait qu'il y a un déficit à ce niveau-là. Fait que la solution avant d'arriver à ce que moi où je suis arrivé, c'est soit que tu augmentes la quantité que tu manges ou tu diminues ton entraînement. C'est on, on plongeant absolument dans ça parce que, euh, évidemment, moi je suis un grand défendeur de manger oui. à côté. On a reçu des nutritionnistes sur le podcast que c'est leur message. Leur message, c'est oh, mange plus que moins tout le mm -hmm. temps. Est-ce que toi, tu avais cette pensée-là? Quand tu t'entraînais, la pensée de restriction de calories ou du moins d'essayer de contrôler ça pour des, des questions de gestion de poids, sachant qu'à course à pied ça reste un facteur, t'avais tu ça toi ou tu y pensais jamais euh, Je mentirais si je pensais jamais. Je dirais pas que c'était fait par euh, que c'était voulu en fait de de me restreindre. Je pense pas que je me restreignais, mais j'allais pas. Au-delà de comment. T'allais pas alimenter tes non. performances. puis c'est ça que c'est un peu un message que je veux passer aussi. Tu je recevais des commentaires. Ah, oh, t'as vraiment un corps de coureuse. Ah, oh, t'as vraiment. Tu re... Mais c'est quoi un corps de coureuse? Parce ouais. que au final, j'ai arrêté de courir pendant quatre mois. Ça m'a ouais. mené là. T'sais. Un beau corps de coureuse. Ah, c'est ça. Ouais. Je pouvais même plus me définir comme une coureuse. Je courais pas, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu ça aussi. Il y a un, il n'y a pas de corps de coureuse, puis je pense aussi que les corps de coureuse qu'on voit, les typiques, ça peut pas être sain à long terme. Non. Impossible. Ben, les typiques de ce qu'on a en tête, de, de c'est quoi? Parce que j'ai l'impression que la culture est tellement loin. C'est sûr que si tu fais du sport d'endurance, tu vas être mince. Ou ouais. tu n'auras pas, pas de surplus de poids. Là. Mm -hmm. Si tu cours pour du marathon, élite. Il n'y a personne qui arrive là euh, qui a 50 livres de plus que les autres. Là. Ça, ça ouais. arrive juste pas. Mais j'ai quand même l'impression que on, on va en voir de plus en plus des corps différents si on réussit à briser cette mentalité-là. On va voir de plus en plus de corps différents, élites. Oui. J'ai vraiment l'impression. Juste, juste au, au triathlon, Christian Blumenfeld, là, le oui. champion du monde, là, mm -hmm. il a l'air de... Tout sauf d'un triathlète comme on les connaît. là <laughs> non, Vraiment, sûr. là. Tu ouais. il y a comme un petit bid Il euh, y a des, des, des grosses cuisses, mais ouais. pas comme fit. Ouais. Il est juste comme. Il, c est, c est, il vient de tester euh, le VO2 le plus haut de l'histoire des mm -hmm. VO2 testés, là. Tu sais, il, ouais. il gagne les championnats du monde. C'est lui ouais. le meilleur triathlète, mais il n'a pas de corps de triathlon. Fait dites-moi, c'est quoi le corps de triathlon C'est le meilleur exact. au monde. Il n'y en a pas un, là, Exact. Non, ouais. c'est sûr. Fait, fait que toi, tu n'avais pas la pensée de dire faut choix le plus. La plus légère possible, mais tu n'avais pas non plus la pensée de faut que je mange beaucoup avant mes training, pendant mes training, après mes training. Tu pensais pas à ça nécessairement. Ben, oui et non. Euh, C'est sûr que j'avais toujours eu de la misère à manger pendant, ouais. fait que ça ne m'aidait pas. Ouais. Euh, on le sait tous que quand tu reviens d'un gros training ou même d'un jog, tu pas faim, ça coupe la faim, ouais. mais il faut que. Faut que tu me par-dessus ça, par ça. Puis c'est vraiment là, là j'ai mis en place plus des, des stratégies pour ça, mais c'est vraiment de passer par-dessus ça. Puis il y avait un, un. Mon côté perfectionniste aussi qui me nuit à ce niveau-là parce que là, j'avais en tête la qualification olympique, puis je voulais tout contrôler. Ouais. Je voulais contrôler ce que je mangeais, je voulais contrôler. Je voulais avoir le meilleur sommeil possible. Je m'étais procuré la bague C'est correct. Je l'ai perdu plus? en oh, okay. Parce que je devais <laughs> faire du vélo, puis là, j'ai comme fouillé dans ma poche en arrière. En sortant ma, ma main, je l'ai perdue, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Oh quand je suis arrivé chez nous, j'ai fait Ah, Chris, ma bague, genre 300$ ah, US, ça fait chier oh, quand je... même. Là. Sauf qu'après ça, j'ai dormi cette nuit-là. Puis en me réveillant, j'avais pas ma bague, j'ai pas regardé mon score, mais j'ai fait. Wow. Tu te sentais reposé. Fuck man, j'ai dormi. Sti, <laughs> si je obligé d'avoir un sel qui me dit si j'ai bien ou pas bien dormi, puis là j'ai fait, j'en avais pas besoin de cette bague là <laughs> finalement. Qu'est-ce que j'essaie de contrôler, genre ça n'a pas de sens. Ça, ça, ça change rien ouais. en tout. De, ça fait juste créer de l'anxiété selon moi. Ouais, là ben, quelqu'un qui a une bague, peut-être. Quelqu'un qui s'est promené sur la promenade Champlain, ouais, qui a trouvé une bague <laughs> il a fait tard. <laughs> ouais, fait que c'était contrôlé. Je ne voulais pas tomber malade. Ouais. C'était comme, je voulais tout le temps être on top tous les jours de l'année. Mm -hmm. Mais c'est impossible. Puis c'était la même chose. La nutrition est rentrée là-dedans. Fait C'est sûr ça n'a jamais été diagnostiqué. Puis je sais pas si c'est ça exactement, mais l'orthorexie, fait que de toujours vouloir bien manger, mettons. Mm -hmm. Puis étant donné que je suis végétarienne, ma nutritionniste me dit que c'est un régime qui est, euh, qui est dense, mettons, quand tu manges, sauf que c'est pas assez calorique. Fait ouais. que c'est de jouer un peu aussi trouver des aliments plus caloriques, mettons, tu des avocats, des noix, ouais. etc., des trucs comme ça. Mais euh, c'est tout ça un peu qui a mené au fait que sans m'en rendre compte, j'étais vraiment sous-nutrition. Ouais. Hein. C'est fou ça, sans même t'en rendre compte, même si t'es en, en sous-nutrition, sans, que, sans que activement tu veuilles l'être. Exact, c'est la là. balance, je perdais pas vraiment de poids, ouais. c'est ça aussi le red, t'as pas besoin d'avoir une, une perte de poids significative pour dire que c'est ça, parce que, euh, je pense que c'était David Jekyll en fait qui en avait parlé, mais ton poids il va pas bouger tant que ça non. sur des courtes périodes nécessairement, puis... T'as beau manger, je pense, ça, ça m'avait marqué dans le temps, mais il avait dit, je sais pas, tu manges, j'ai aucune idée combien il avait dit, mais mettons, 500 calories de plus que ce que tu dépenses, tu vas pas prendre du poids, nécessairement. Fait que c'est pour ça que c'est un peu terrible, les balances pour ça, puis de toujours garder c'est quoi le, le chiffre sur la balance, parce qu'au final, ça se peut que ça t'indique rien pantoute tout, finalement. Mm -hmm. J'ai fait, euh, je sais pas quand, quoi va sortir, mais probablement que le podcast qu'on fait en ce moment va sortir après. J'ai fait un question-réponse avec Benoît Boulanger. Okay. Qui était déjà venu sur le podcast ouais. avant. Là. Puis lui, c'est ça son combat, là, vraiment. Là. C'est de laisser complètement tomber la balance. Puis de d'enclencher. Je sais que j'en parle souvent sur le podcast, mais personnellement, depuis que j'ai commencé à faire ça, ça a tout changé au niveau de mon énergie globale, de mes performances sur mon entraînement, de, de ma récupération. C'est que la façon avec laquelle je le vois, la nutrition, c'est. Si tu donnes assez de carburant à ton corps, tu vas être capable d'avoir une dépense calorifique plus grande pendant l'effort. Mm -hmm. Le résultat va juste être que tu vas être meilleur, puis il n'y aura pas de prise de poids si c'est de ça que tu as peur. Ouais. Ça n'existera pas. Même si tu ne devrais pas avoir peur de ça, tu ne devrais juste même pas penser à ça, mais il n'y en aura pas. Mm -hmm. Parce que tu vas juste mieux carburer ta performance, puis. Le, le, cirque, le, le cercle est. est... J'oublie tout le temps le mot, à chaque fois je veux le dire, le cercle radieux, je pense, qui est l'inverse du cercle vicieux. OK. Fait que c'est à chaque fois que, mettons. Puis si tu finis ton training, puis tu as, 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 as été fort parce que tu as bien mangé avant, mais là, tu te sens bien, tu manges beaucoup parce que tu as faim. Tu manges beaucoup puis tu récupères mieux, le lendemain matin, tu as plus d'énergie, tu manges tu as plus d'énergie et ton mmh. entraînement est mieux. Fait que là, ce, ce cercle-là est juste comme vers le positif, au contraire de dire bon mais là, je restreins quelques affaires. OK, fait que ton, ton training est un peu moins bon. Fait qu'après ça, tu as un petit peu moins faim, ta récupération est moins bonne, puis là c'est comme là ça tourne dans l'autre sens Oui. Ouais, puis si c'est fait euh, de façon volontaire ou semi-volontaire mais c'est toute la charge mentale aussi qui vient avec eh ça oui. c'est fait puis tu sais au nombre d'heures d'entraînement qu'on fait en... pour des sportifs d'endurance ça va jamais être un problème non? ça sera jamais <laughs> un problème Ce sera jamais un problème ouais. ça se... genre c'est ça c'est comme tu dis là ça ouais. sera jamais un problème le corps va s'adapter puis il va prendre sa forme optimale oui. Le corps va prendre son poids optimal, son poids de pic performance. Ben, il l'appelle comme ça. Peu importe c'est quoi ton poids de pic performance, si tu alimentes bien ta performance, ton corps va arriver à son poids de pic performance. Ça veut dire quoi? Chacun a son propre poids de, de pic performance. Puis euh, Ben, il parle beaucoup du, du CrossFit. Il dit que maintenant, le monde qui arrive dans le CrossFit, parce que c'est son, son monde à lui, puis ça reste des, quand même de l'endurance aussi, là, mm -hmm. les CrossFit games et tout, il oui. dit que là, on commence à avoir des corps vraiment différents. Qui gagnent les CrossFit Games parce que cette mentalité-là est enfin partie. tu sais. C'est bien. Ça, ouais. Je pense que de plus en plus, si on peut avoir des modèles, justement, comme tu disais, avec des corps différents, ça va aider euh, à changer la mentalité. Puis, ouais. euh... Fait que là, qu'est-ce que tu fais activement avec ça en tête? Euh, ben, y a eu... Mais une fois que tu as eu Mettons, ouais. re retournons un petit peu en chronologie là, avant <laughs> de, de, de retourner dans, dans le présent maintenant. Fait que là, tu as tes trois mois à rien faire. Tu passes en travers de peine et de misère, j'imagine. Oui. Ben, en fait, la première étape que j'ai fait la, Le premier signal euh, Ça aurait été de perdre mes menstruations. Mm -hmm. Moi, j'avais un stérilet hormonal. Fait que j'ai ça faisait cinq ans que j'avais pas de menstruation. Fait que j'ai pas pu avoir ce signal-là. Donc ma recommandation pour tout athlète d'endurance ben, féminine, ça serait d'être capable de, de tracker tes menstruations. Mm -hmm. euh, pour les hommes, en fait, j'ai appris que c'est les érections mat matinales. Fait que si t'en as pas ou si t'en as trop? Je pense le euh, nombre. Faudrait que je regarde. Il y avait un site qu'on m'avait référé, mais je pense que c'est si le... réduit. OK, c'est réduit, c'est ouais. ça. Parce Moins que... <laughs> de trois. Un affaire de même, <laughs> là. Chocant. Fait que si t'en as trop ou pas, <laughs> là, là, c'est hein? quoi? <laughs> c'est... Que si t'en as moins, c'est là que t'as un problème. Oui. C'est bon, a, parfait. Ça <laughs> parfait, on continue. <laughs> fait que dans le fond, c'est un dérèglement hormonal. Ouais, okay. Autant chez l'homme que la femme, ça arrive malheureusement plus chez la femme, euh, les fractures de stress. Euh, donc, le premier signal que j'aurais pu avoir, c'est ça. Mm. Mais il y a aussi d'autres signaux, par exemple, euh, ben, c'est sûr que le pourcentage de gras est plus faible souvent quand tu es sous-alimenté, fait avoir froid, par exemple. Puis, euh, aussi, Avoir froid dans la vie. C'est hein, tout le temps. Même, tu sais, on sortait de l'été, là. Puis, l'été, j'avais froid, des fois, ah ouais. là. Puis, je... tu sais, on en riait un peu, des fois, euh, avec mes proches. J'étais comme, ah, ben, tu tout petite, c'est normal. Mm -hmm. Mais, comme, non, c'est pas normal. De toujours ça, avoir froid, ouais. C'est ça, ça devrait pas être normal. Puis, euh, Aussi, les sauts d'humeur, puis tout, euh, tu sais, être un peu plus dépressif. Ou, tu sais, je m'étais rendu compte qu'un juste avant de me blesser, il n'y avait pas grand chose qui me rendait heureuse. On dirait que j'étais rendu un, un robot. J'étais. Je courais, je m'entraînais, je me reposais. Pis, mais j'étais tout à de dire que j'étais heureuse. Je pense que je l'étais pas. C'est ça mm -hmm. qui est malheureux. Puis je pense que ça venait un peu du fait justement que Tu mon... venais une vie qui était qui était. qui te rendait correct. C'est ouais. tu sais comment c'est correct. Oui. Ouais. J'aimais ça courir, mais ça en enlevait la passion que j'avais, juste parce que j'essayais tellement d'avoir un objectif vraiment focus juste un sur le, le résultat final. T'sais, on dit Enjoy the process, il n'y avait mm -hmm. plus de ça. C'était comme, mm -hmm. je, je m'en vais à ma direction finale, puis c'est juste là que, que je regarde. Puis c'est drôle parce que tu me fera vraiment comme quelqu'un qui est ultra passionné des sports. Oui. En général, tu sais, juste hier, s... tu avais un rendez-vous chez le médecin, <laughs> puis là, on est sorti de la piscine, puis là, Sarali était là, <laughs> puis Sarali est comme moi, là, est une passionnée de sport comme vraiment beaucoup, tu sais. J'avais l'impression qu'on aurait pu parler oui. de sport pendant encore deux heures avant que toi tu t'en ailles à ton rendez-vous, que Lee s'en aille pour son entraînement, pis que moi je m'en aille pour faire, faire whatever ce que j'avais à faire hier. Là. <laughs> mais, euh, mais ouais, c'est ça. C'est comme, tu es une passionnée de sport, puis c'est comme, ben, je suis plus vraiment passionnée dans le fond. Là. Oui. Je fais juste, tu sais, être un peu sur le plateau automatique pour faire ça. Mais je pense que je le faisais plus pour moi. C'était plus comme. on J'ai comme embarqué dans la vague de, il faut que je me rende aux Olympiques, puis. C'était juste ça, la course voyais, à pied maintenant. Ouais. C'est, ouais. faut que je me rende aux Olympiques, il faut que je fasse des entraînements difficiles. Ouais. Puis c'était tout le temps. Puis tout autour de tout autour devait s'aligner avec mon projet de course à pied. Mm -hmm. Fait que, tu sais, c'est comme tous des symptômes, en fait, que. Puis tu sais, c'est qu'on le sait pas nécessairement. Puis des fois, tu normalises un peu, puis tu te questionnes pas. Ou... Puis, puis encore là, tu sais, puis là, c'est les réseaux sociaux, mais des fois, je vois des personnes sur les réseaux sociaux, puis il y a certains red flags qui sortent puis c'est comme devrais-tu lui en parler je suis pas assez proche si je fais tout ça c'est encore il y a une ligne grise une zone ouais. grise puis je, je suis comme ah j'aimerais dont ça qu'elle n'arrive pas au point où je me suis rendue mm -hmm. j'aimerais ça le prévenir mais est-ce que ça va mal sortir tu sais puis c'est un peu pour ça que là j'aimerais plus en fait faire un message comme plus bien général oui, bien oui, bien oui. puis après tu sais mais je pense que c'est aussi moi il y avait beaucoup de déni fait des fois t'as beau l'entendre de quelqu'un d'autre si tu l'as pas vécu, tu ne euh, l'accepteras pas. Non, exact, suite, exact. Là, comme... Sauf que quand même, ça peut mettre la puce à l'oreille. Au moment où est-ce que toi, sais, c'est peut-être, c'est vraiment pas tout le monde, peut-être qu qu que c'est les mêmes raisons pourquoi ils se blessent, là, mais t'sais, au moment où est-ce que toi, tu t'es blessé, euh, dans le six mois pendant, on dirait que ça m'a sauté d'en face le nombre d'athlètes élite et d'excellence qui sont blessés et qui, qui sont pas rendus à leur objectif mmh. là. Ouais. Genre j'ai au moins puis là juste dans mon algorithme à moi puis des personnes que je suis fait que même pas du monde qui me sont présentés du monde que je suis personnellement il y a au moins cinq filles principalement des filles qui ont été obligées d'abandonner un, un de leurs objectifs de course à pied à cause d'une blessure mmh. au moins ouais. c'est quand même euh, du stock là. Ouais. fait que peut-être que quelqu'un va écouter ça qu'il va <laughs> éviter le truc là on l'espère tant mieux oui, vraiment fait que, fait que oui, tu sais, la première étape, ça a été de changer mon stérilet pour ouais. être capable de suivre. Puis là, c'est très personnel, mais encore à ce jour, j'ai pas retrouvé mon en ah, Fait ouais, que hein. pour dire à quel point c'était débalancé, ouais. c'est terrible. Pour vrai, ça m'a choqué puis ça m'a vraiment... Il n'y a rien de moins naturel. C'est sûr. Il n'y a rien qui, qui est le plus loin de l'être humain qu'on était initialement, ouais. tu sais. Quel point, tu sais, il faut que tu y ailles pour de vrai, il faut que tu sois loin de, mm -hmm. hormonalement de, de la ouais. place où est-ce qu'il est. -ce qu disposé à être, là. Exact. Puis tu sais c'était aussi, je... ça me choquait à quel point je me suis rendue malade, si je peux dire. Mon corps était plus bien là. Puis ouais. il m'envoyait plein de signaux puis je les écoutais pas. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça vraiment triste. Puis j'ai eu, euh, j'ai eu une, je peux dire j'ai eu une dépression là. Si ouais. Je peux dire là j'ai perdu un peu mon identité aussi comme je disais tantôt que. Ouais, peux euh, comprendre. J'étais coureuse puis c'était juste ça, que je faisais de ma vie là, je pouvais plus rien faire. Fait que, j'ai eu un retour au travail aussi euh, en comptabilité. Euh, J'osais espérer que ça soit un peu ma solution, mais je pense que je l'ai caché un peu là-dedans, dans le sens que j'étais comme Ah oh, ben, je cours plus, je vais travailler, puis euh, c'est fini. C'est fini. Là, ouais. fini. <laughs> ouais. Je vais ignorer cette énorme partie de moi qui existe depuis que je suis tout petite. Mais ouais. là, ça n'existe plus, ça. <laughs> fait que. À la place de me questionner, tu sais. Puis là, ouais. au début, c'était rien. Après, j'étais capable de faire de la natation. C'est un peu dans le fond pour ouais. ça que j'ai commencé à nager. La seule chose que je pouvais faire, c'était nager avec un pool. Puis je pouvais pas pousser du mur. J'avais l'air une mamie. Un virage en ouais. temps. <laughs> là, tu repars ouais. <laughs> ouais. Fait que ça a été ça, mais ça me sauvait. Tu sais, ça me gardait saine d'esprit parce que j'étais habituée à bouger chaque jour. Puis même des fois deux fois par jour, ouais. trois fois par jour avec la muscu. Euh, puis Charles Castonguay m'a pris un peu sous son aile, puis c'est vraiment lui, je pense, qui m'a sauvée dans le sens que. Il euh... est incroyable, Charles. Ah, ah ouais. ouais est... Il est tellement est... fin. <laughs> est il m'a fait des petits programmes de natation, puis Amonie me dit que sa copine a, a ri un peu parce que. J'avais vraiment l'impression de faire des entraînements de course, mais en natation. Puis, ouais. à un moment donné, j'ai publié un story, puis il a trouvé ça drôle. Puis sa blonde, elle y a dit, elle a dit, effectivement, c'est des entraînements de course, de mais course, pour des. Ouais. Un... Oui, parce que Kat et elle on en nageait ensemble, elle euh... okay. nageait plus jeune, elle arrêtait un peu, puis elle à l'université ouais. avec moi. Là. <laughs> fait, que... fait que, mais j'étais capable de me pousser un peu, puis de bouger, bon, pas tous les jours. Charles me donné une journée ouais. de congé, puis c'est lui qui m'a appris initialement. Une comme... congé. On fait une journée de congé. Um... Puis là, dans ce temps-là, j'étais encore en contact avec Reed, euh, mon entraîneur de mm -hmm. course. Puis il avait dit Bon, ben, il sort quand tu vas revenir à la course, mais ça va être très progressif. Fait que les intervalles, l'intensité, ça va être sur le vélo. Puis là, j'étais comme Ah, oh, je nage, je vais faire des intervalles sur le vélo, puis je vais revenir en course. Fait que 1 plus 1 plus 1 égale ouais. triathlon. Exactement, <laughs> exactement. Fait qu'on dirait que. C'est drôle parce que c'est euh, Guillaume Rioux, <laughs> oui. l'autre ami commun avec oui. Charles, qui m'a envoyé un mème l'autre fois puis c'est comment est-ce que les gens se rendent jusqu'au triathlon <laughs> puis c'est genre fais de la course que la course devienne toute ton identité blesse-toi deviens triathlète ah, c'est bon <laughs> c'est juste ça là, le mime, mème j'ai je... fait ah c'est un peu ça dans le fond ouais je suis soulagée, je fais <laughs> tout seul finalement. non 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 moi c'est la même chose <laughs> fait que euh... fait que ça a été mon projet je suis comme bon ben ça va être ça puis ouais. euh, c'est de même que j'ai commencé pis ça le ça date de quand ça ben, tu vois la natation, j'ai commencé dès que je me suis blessée, Fait que ouais. je dirais en novembre, j'ai commencé à nager, au début c'était très grand-mère comme je disais, le, euh, je pouvais pas pousser du mur. Puis tranquillement, j'ai pu rajouter euh... Ah oui, parce qu'au début, tu sais, j'arrivais au mur, puis je repartais, mettons. puis là, j'ai comme compris que j'étais capable de flipper quand même, mais pas pousser. Ouais. Fait qu'on dirait que je me sentais déjà plus nageuse. Je suis dans le vide <rire> en <rire> plus. <rire> Ça ouais. là, juste pour la parenthèse là, il y a certains euh, Certaines affaires dans le monde de la natation que, qui te hantent pour toujours. Là. Puis une de ces affaires-là, tout le monde, quand on est bout de chou, tous les nageurs, quand on est bout de chou, des fois, c'est sûr que c'est arrivé une fois à, à peu près tout le monde en compétition. Tu es au dos, tu arrives au dos, puis là, tu vois les drapeaux, puis là, tu comptes tes coups de bras quand tu es ouais. jeune. Moi, là, après ça, je les comptais plus, puis je savais j'étais où, tu sais, mais tu comptes tes coups de bras, puis là, 1, 2, 3, 4, 5 à cinq coups de bras, tu tournes sur le ventre, puis là, tu tournes au moment que tu tournes sur le ventre. Puis. C'est arrivé à tout le monde, notamment moi, de faire, de compter mes coups de bras. Puis là, parce que t'étais un enfant, tu comptes pas ou tu comptes mal. Ou tu te tournes sur le ventre, tu fais ta pirouette, t'étires les jambes au maximum, puis il y a pas de mur. <laughs> parce que t'as pas assez bien compté. Puis là, t'es étiré de tout ton long. Puis là, tu fais « Ah, oh, fuck! » là, tu recommences à nager le bon, C'est bon, dur d'en repartir pas d'élan. Non seulement c'est dur, mais t'es disqualifié. Ah, oh, Parce vrai? que t'as pas de chauve <laughs> <laughs> ah, j'avoue! Ah, oh, c'est chier! Fait que là, t'es disqualifié, tu fais un temps de tu t'es disqualifié. Puis après ça, en tout, euh, en, en, en tout sérieux, j'ai repensé à ça toute ma carrière. Okay. Je, quand je faisais des virages, je pas à tous les virages, mais ça arrivait souvent en compétition que là, t'as comme un mauvais feeling parce que t'as un mauvais timing quand tu vois les drapeaux arriver, t'es comme en deux coups de bras, tourne sur le ventre, puis là, t'es un peu loin quand tu commences ton flip. Là, tu fais oh, « come on, c'est pas là, là. <laughs> pas genre au championnat canadien, tout le monde est là, il y a est cave, là tu pousses, mais bref, tu faisais ça, ouais. <laughs> tu pouvais faire ça au moins. » Moi, c'était voulu, par ouais, contre. <laughs> ouais, exact, c'est ça. Fait que, euh, que c'est ça, j'ai commencé à nager sous les programmes de Charles. Euh, puis là, dans le fond, quand j'ai comme vraiment mis à terme, ben pas à terme, mais comme que j'ai vraiment voulu aller dans le triathlon, euh, je voulais... Moi je suis incapable de me coacher moi-même comme, ben comme tu fais toi parce ouais. que je me overtrainerais, c'est sûr. Ah ouais, hein? C'est sûr, c'est sûr, sûr. Je sais pas comment tu fais. Je sais pas, t'as-tu l'impression de, de trop en faire des fois ou? Euh... Si j'ai l'impression de trop en faire. Non, j'ai pas l'impression de trop en faire. Euh, Puis Mais j'ai déjà coaché euh, quand même activement. Puis je pense que... Je pense que j'ai trop un respect pour euh, la science okay. de l'entraînement par les conversations que j'ai ici. Par, tu sais, je veux dire, je, je parle beaucoup à beaucoup de monde qui font beaucoup d'entraînement, tu mm. sais, dans, dans ce parcours-là. Puis, je suis tellement intéressé... Tu sais, Charles, l'autre fois, il est venu chez nous pour faire une vidéo pour euh, le Carb Boost oui, que je t'ai oui. envoyé. Puis, je veux dire... on. On est resté en le cadre de porte pendant 25 minutes. Là. Il s'en allait. Là, <laughs> Puis là, c'est quand même oh, mais telle affaire. Puis là, lui, il me sort une étude que là, il y a une nouvelle affaire et qu'il il se met un élastique, oui. ses cuisses. Il là. me l'a fait faire, ça. <laughs> c'est fou, là. Ça fait le mal, sens, là. <laughs> Fait peut-être parce que le fait que ça, ça je, je sais vraiment, ou du moins, <laughs> je ressens vraiment les effets de l'adaptation. Puis ça, ça me convainc que ce que je fais en ce moment, ça fonctionne. Okay. Tu sais, je vois tellement l'amélioration claire quand j'ai la, la balance que j'ai en ce moment, l'espèce de sweet spot là, de récupération pour l'effort le, que je fais, oui. que je vois l'amélioration, je vois le, le tu sais. Fait que c'est peut-être pour ça, puis je pense pas que j'en fais trop. La semaine passée, c'était ma plus grosse semaine de mon bloc, mettons. Mm -hmm. Je me suis planifié grossièrement un bloc avec, tu sais, comme là... En fait, je l'ai planifié pour que... En fait, cette semaine, j'étais à Montréal, fait que... Je ne voulais pas continuer à Il Fait que cette <laughs> semaine soit plus tranquille. Ouais. J'ai quand j'ai comme planifié avec ma vie. Mais, euh, mais ouais, tu sais, je pense pas que j'en fais trop. Là. Je... Mais ça se pourrait que cet été, j'en fasse beaucoup. Là. Ouais. Ouais, quand je puisse sortir dehors avec le bike puis tout. Là. Ben, c'était si calme d'avoir cette sagesse-là. C'est ouais. bien je Mais c'est juste que pour, moi, pour ma, ma première pas. saison, comme je te okay, disais. Ouais. Parce que j'ai vraiment envie de voir pour le triathlon, voir quest ce que c'est. Mm -hmm. Parce que comme je disais, peut-être que je vais faire mon premier, je vais détester ça. <laughs> ça se peut que ça arrive, genre je sais pas. Sauf que là, je veux comme jouer avec la patente. Je ouais. veux comme essayer de jouer avec les paramètres, voir c'est quoi que j'aime dans le fond, c'est quoi que j'aime pas. Pour l'instant, j'aime pas mal tout. J'ai découvert que j'ai vraiment une, une chance, I guess, d'adorer le trainer. Oui, c'est ça, ce tu Fait disais, que je peux ouais. en faire, là. Je peux en faire ça pas de sens comment j'aime ça, genre, j'adore ça. Fait que ça, je pense que c'est une chance que j'ai découvert ça. Fait que maintenant, je sais que dans un, une préparation, je vais pouvoir faire des entraînements super spécifiques sur le bike parce que tu peux pas vraiment faire des entraînements ultra spécifiques quand tu roules non, dans la ça. rue avec des oui. chars ou quoi que ce soit, là, tu ouais. c'est comme ça. Là, je découvre des affaires, dans le fond. Bref, ça, c'est ma parenthèse sur comment moi, <laughs> en ce moment, je veux gérer mon été. Ouais. Mais toi, tu dis que ça prenait un coach absolument. ben c'est que moi, je sais que j'en ferais trop. Ouais. Je suis pas capable de... Tu sais, déjà là, mettons, j'ai mes entraînements de ma coach, puis je voudrais en faire plus. Oui, je comprends. Mais je comme, je respecte, puis ouais. déjà, je suis presque au nombre d'heures d'entraînement que je faisais en course à pied. C'est fou là, la différence aussi, là, justement, ah. que tu peux euh, dire la même chose, mais... Comment que t'es vraiment moins brisé en faisant trois sports fou. que... La... Ouais, c'est Moi, c'est mais... tellement... Moi, c'est vraiment une révélation. Énorme. Parce que j'ai fait la même chose en natation. De, de faire mm. 20 heures par semaine de natation. Je l'ai fait, ça, puis... C'est de l'overtraining, quand même, oui. là. J'étais pété, parce que c'est les mêmes muscles tout le temps, c'est la même zone, les mêmes affaires. Mais là, les zones sont tellement différentes. Mm -hmm. Dans les trois sports, c'est trois choses complètement différentes. Qui ensemble font genre, on dirait, un athlète euh, complet. Oui. Puis, des fois, je fais des journées à 3h30 d'entraînement. Mettons, je fais une heure, une, une heure dans l'eau, une heure et demie sur le bike, une heure de, de course. J'ai l'impression d'avoir fait. J'ai l'impression d'être aussi pété que si j'avais fait un 15 kg de course le matin. Oui, l'équivalent. J'ai l'impression d'avoir autant de fatigue accumulée, ouais. mais je viens de faire 3h30 à place d'une heure et quart. Puis mmh. je le sens vraiment comme ça. Là. Ben c'est fou. Puis on dirait aussi que, tu la récupération est vraiment plus rapide. Puis mentalement aussi, là, c'est une charge. Tu tu changes de... tout. Euh, comme tu dis, tu as trois sports, fait que euh, ça change vraiment Vraiment, ton... vraiment. fait que, euh, que c'est ça. C'est mon projet pour l'été. Euh... Ton projet pour l'été. fait que là, c'est quoi que tu voudrais faire? Euh, je fais un demi-Ironman. Quand? <laughs> en juillet. Où? À Tremblant, dans l'État de New York. Okay. Ouais. Fait que là c'est réglé, le billet est acheté. Non, le... non ok. L'inscription est achetée? Non, parce que là j'ai commencé en continu ma course hier. Mm -hmm. Fait que j'attendais un peu de rentrer une course en continu des intervalles un petit peu pour être ouais. sûr que j'avais pas de mauvaise surprise. On s'entend que. Ça, c'est la, la bannière Iron Man fait que ça va me coûter comme euh, 400 ou 500$, je pense. Ouais, là, fait ouais. que je vais être sûr. Je te conseille d'attendre un petit moment. C'est ça. <laughs> ça, ouais. <laughs> euh, ça. Fait que. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas acheté, mais c'est mon projet jusqu'en juillet. Là. Je okay. trouve que. tu sais mettons pour un demi. Moi, la distance demi, c'est comme. On dirait que c'est. Je suis obsède, là. Puis j'en ai pas jamais fait tant. Je sais <laughs> pas de quoi ça va avoir l'air, j'ai aucune idée. Mais l'entraînement pour le demi. Puis le monde, ils vont m'entendre radoter. Puis en même temps, je m'en fous si vous m'écoutez. Si vous écoutez <laughs> le podcast, si vous aimez ça, ça veut dire. Euh, la distance est vraiment parfaite, je trouve, mm -hmm. pour ce que moi, je veux y retrouver. Ou est-ce que si. Tu sais, j'ai peut-être. Dans les grosses semaines, je vais peut-être avoir 25 heures à mettre parce que j'ai fait ma vie autour de ça, dans le sens où mes business, je peux les gérer un peu quand je veux. Il y a des semaines que je peux moins en faire, d'autres que je peux plus en faire. J'ai comme cette latitude-là. Mm -hmm. Mais 25 heures. C'est vraiment assez pour faire un bon demi-Ironman? Ah, oh, je pense que oui, totalement. Mais c'est vraiment pas assez pour faire un bon Ironman. C'est assez pour faire un Ironman. Oui. Ouais. Mais c'est pas assez pour faire un bon Ironman. Ouais. Ou -ce que, -ce, que, ce que des gens comme nous peuvent considérer comme un bon Ironman, ouais. mettons-le. Ouais. Mais en 25 heures, tu peux vraiment faire un excellent demi-Ironman vite, tu sais? Ouais. Puis on dirait que moi, c'est ça. Puis si tu fais 25 heures, tu dépasses pas 80 kilos de course. Non. Puis. Ça, ça fait une grosse différence. 80 kilos de course, c'est vraiment pas beaucoup de course non. comparativement à 198. Ouais. <laughs> oui. Puis ça, 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 ça protège un petit peu le corps, j'ai l'impression. Oui. Parce que la course, c'est de loin celui qui coûte le plus cher. Ah oui, avec l'impact et tout. Oh ouais. Ouais. Tu tu dis 25 heures aussi, puis c'est ma coach qui m'avait fait considérer ça, surtout pour le triathlon. Mettons que tu dis « je veux mettre 25 heures d'entraînement », mais c'est pas 25 heures de temps de vie tu faut que tu te rendes à la piscine ouais. faut que tu te rendes à tes lieux d'entraînement puis ouais. tout puis faut que tu te prépares des fois euh, ta bouffe t'sais, des fois c'est de prévoir à l'avance c'est c'est pour ça qu'elle a dit c'est pas fait pour tout le monde non plus le mettons non, Iron non, Man non, ou non. des trucs de même parce que faut que tu aies le temps de le faire puis faut que tu aies le temps de récupérer de tout ça ah, exact exact moi c'est juste que c'est ça moi c'est ça que je veux faire mm -hmm. dans ma vie ben oui, dans ouais. le sens où c'est tellement une passion pour moi ou est-ce que j'ai fait plein de choix qui font que je suis capable de faire ça, t'sais. puis mm -hmm. je dis pas tout le monde Vous êtes faible si vous faites pas 25 <laughs> heures d'entraînement parce que ça serait vraiment con de, de penser comme ça parce que moi j'ai fait plein de choix que les gens sont, veulent pas faire, pas qu'ils sont pas prêts à faire, ils choisissent juste de faire mm -hmm. autre chose oui. que ça, tu oui. mais, euh, mais moi c'est ça que je veux faire, ça me fait tripper, genre ça me passionne vraiment beaucoup. Mm -hmm. Mais euh, Mais c'est cool. Fait que là... Là, tu commencé ce programme-là, puis Demi Ironman, puis est-ce que tu as, est as une idée de où tu t'en vas dans le sport? Ou tu, tu te dis, là, c'est ça pour maintenant, avec, on verra si j'aime ça, on verra qu'est-ce qui se passe, on verra comment ça va cet été. Puis est-ce qu'au fond de toi, tu as un, un, encore un PB Marathon en tête? Est-ce que tu as encore ces affaires-là que tu te dis, ah, peut-être un jour? Ou bien c'est comme tu as, as mis ça dans un tiroir puis c'est fini? Euh, ben, je suis un peu comme toi. Tu sais, j'en ai, ai pas fait moi non plus. J'ai déjà ouais. fait du triathlon, mais j'ai jamais fait cette distance-là. Puis ça reste. Puis toi, tu as fait l'ultra, mettons. Mais, c'est moi moi, dans mes dernières années, mettons, le plus long d'efforts que je faisais en compétition, c'était deux heures et demie. Ouais. Là, un demi-Ironman, ça va être beaucoup plus que plus ça. Que ça. Là. Fait que euh, j'ai hâte de voir. T'sais, moi, j'ai toujours aimé l'endurance. Je mm -hmm. crache pas sur un Ironman complet parce ouais. que moi, je pense que. Il pensait, je suis comme Ah, ça serait nice ah de s'entraîner ouais, hein. pour ça. Moi, ça ouais. me Je pense j'aimerais ça. Euh... En ce moment, mettons comment je le vois. Je verrais mon demi-ironman cet été. Euh, question aussi de me remettre en forme mm -hmm. générale. Puis possiblement peut-être un marathon à l'automne. Okay. Euh, sais, J'avais entendu aussi, mettons, là, ça te met full en forme un demi-ironman. Puis là, après, t'enlèves presque le vélo, puis la natation mais le but aussi ça serait de garder du de cross training ouais. Ouais. Puis de courir beaucoup moins que ce, mm -hmm. que, ce que je faisais, ouais. faire un marathon puis après est-ce que je m'entraînerai pour un Ironman l'été prochain. Je sais -être pas, À ouais. ouais. Il... avoir étape par étape. Ouais, exactement. Okay. Okay. Exact. Puis au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que tu as pris comme, comme moyen pour éviter de retomber dans Évidemment, tu descendu le, le, le nombre d'heures d'entraînement, mais mm -hmm. as tu as fait quelque chose pour augmenter l'alimentation aussi? Oui. Euh, oui. Dans le fond, moi, j'avais tendance, des fois, à aller courir à jeun le matin ouais. parce que j'étais capable. J'étais mm -hmm. capable de le faire. Ouais. <laughs> j'étais capable de partir 20 km. Pas mangé. manger. <laughs> pas bon, ça. <laughs> C'est vraiment pas bon. C'est pas bon, ça. Euh, fait que là... On en a parlé en plus dans le podcast qui va sortir dans, ouais, bon, dans une semaine. Ben, il y a quelqu'un qui a posé cette question-là. Puis. Ben, essentiellement, c'est ça. Ce qu'il dit, c'est que ça peut permettre d'utiliser un petit peu mieux les gras comme énergie, mais pour le nombre de points négatifs mm -hmm. liés à ça, ça vaut pas la peine de le non, faire. Non, vraiment sais. pas. Ouais. Puis, tu sais, encore là, en principe, tu tu veux habituer ton corps aussi à digérer à l'effort, fait que c'est juste positif de manger avant ouais. d'aller t'entraîner pour cet aspect-là aussi. Ouais, 20 kilos à jeun là. Ah, j'ai fait quand oh. même souvent là. <laughs> ouais. même pour la récupération c'est horrible tu sais je mangeais pas pendant non plus ouais, c'est ça c'est horrible ça fait que, euh, fait que ça je mange toujours 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 le matin avant mes entraînements même si je me lève puis j'ai pas faim euh, bon en piscine je suis incapable par contre il faudrait peut-être que j'incorpore plus comme du type euh, Epica, hein. ouais, Epica ouais dans les bouteilles parce évidemment. que des gels sur le bord de la piscine j'ai jamais non, vu non, personne faire ça non il <laughs> a personne qui fait ça mais euh, puisque c'était ça le thinking derrière moi ça, ça vient de la natation ouais. l'idée vient de ça d'avoir une bouteille là. Ouais. Puis même sur le vélo des fois euh, tu je me dis quand tu es en position un gérer un gel puis non. tout ça doit pas être très le fun puis quoi hein. puis tu boostes avec du carb -boost voilà fait <laughs> okay. fait que ça puis ma coach parce que ma coach dans le fond je l'ai choisie euh, entre autres euh, elle elle avait déjà vécu une fracture de stress ben deux en fait puis elle s'est dit moi je veux plus revivre ça puis je veux comprendre pourquoi puis c'est quoi les changements que je veux faire. Fait que elle c'est comme un peu mon mentor à ce niveau-là. Puis euh, on a intégré le shake de protéines après l'entraînement mm -hmm. dans la douche. Dans la douche? Fait que, Tout de suite après. Ouais, tu es ouais. sûr que tu as des calories qui sont rentrées Tout directement suite. après l'entraînement? Fait que euh, Le shake juste un scoop de de prot ou genre dans un smoothie ou euh, ça va même. dépendre okay. là, comme comment je me suis alimenté si je n'ai pas eu d'alimentation pendant mon entraînement, par exemple en piscine, euh, je vais peut-être rajouter des fois du lait, mettons, euh, de soya ou peu importe, ou du sirop d'érable, mettons, mm -hmm. ou essayer de comme, compléter ça, ou juste une banane aussi des fois que je vais prendre avec mon chèque. Mais l'important, dans le fond, c'est les calories directement après l'entraînement, juste pour ouais. dire à ton corps « Ok, maintenant, tu peux commencer Long la récupère. récupération. Mm » -hmm. euh, puis de manger plus souvent aussi, parce que moi, j'avais tendance à manger à mes repas, puis pas souvent des collations. Fait ouais. que ça, c'était quelque chose que je faisais pas. Et euh, l'autre chose aussi, c'est. Euh, J'adore ma mère et tout, puis c'était pas en contexte d'athlète, mais. Quand j'étais jeune, ma mère, elle, mettons à 5 heures, quand j'avais faim, elle me disait « Ben, mange pas parce que tu veux que tu aies faim pour le souper Mais mm -hmm. moi, j'avais comme gardé ça un peu en tête. Puis ouais. j'avais pas tendance à manger quand j'étais proche de mes repas, même si j'avais faim. Puis je me disais "ben je vais avoir faim pour mon repas Puis j'ai toujours aimé avoir l'appétit quand je mange. Ouais. Euh, puis un peu avant de me blesser, j'avais commencé à intégrer un peu plus à manger, même si j'avais faim. Parce que euh, j'avais eu une rencontre avec ma nutritionniste, ça, c'est un autre flag aussi. Euh, je me réveillais à 4 heures du matin. Mm -hmm affamée au point que je me rendormais pas là. <laughs> quand tu parles de ne pas écouter les signaux que ton non, corps t'envoie, c'est <laughs> comment hein, Non, non, ça doit être normal. C'est ça. Ouais. Ben, j'avais quand même rencontré la nutritionniste mais le mal était fait à ce niveau-là. C'était ouais. peut-être deux semaines avant que je me blesse. Ouais, okay. fait, que, fait que, là j'avais commencé à manger plus et tout mais c'est ça. C'était trop tard. Fait que, que c'est ça. Juste de plus manger plus souvent. Ouais. Puis euh, ouais, je dirais c'est pas mal ça en général. Ben il disait puis là, le monde qui écoute, ils vont, ils vont entendre Ben en parler. Le fait que moi je te dis ça à toi, ça a peu d'importance pour les gens qui écoutent. Mais il disait l'objectif, c'est de ne pas perdre le signal de faim. Mais c'est d'en être conscient, de manger, d'en de, être conscient, de faire OK, ici, c'est mon, mon signal de satiété, là, puis de le dépasser en sachant il est où. Mm. Comme ça, tu le perds jamais. Tu es juste conscient tout le temps de faire OK, non, là, je, là techniquement, j'arrêterai de manger. Mais là, ça va être les petites bouchées supplémentaires pour dépasser ce signal-là, pour être sûr d'en avoir assez. Mais au moins, tu le perds pas. C'est un bon conseil. C'était ça, son conseil. Oui. Parce que c'est ça aussi l'affaire, c'est qu'on entend tellement toutes des trucs. Un truc qui m'a fait aussi capoter, quand je suis retournée au travail, il y avait un... C'était pour une compagnie pharmaceutique puis il y avait un médecin qui avait fait une conférence juste avant que moi, je sois embauchée. Puis, il avait été dire « Jeune intermittent, c'est bon, faites ça. » Puis là, il y avait plein de monde au travail qui le faisait. Puis j'ai même une de mes athlètes qui m'est arrivée avec ça. Puis c'est un peu après ça que je t'ai contacté parce qu'elle, elle me dit Ah, oh, mais on entend que c'est vraiment bon le jeune intermittent. Je suis comme peut-être, mais pas pour des athlètes. Tu veux pas faire ça. Là. Exactement. On en parle aussi <laughs> avec Ben de ça. C'est vrai parce que. Puis ça, c'est intéressant. Puis je vois même. On, on peut même élaborer un petit peu là-dessus parce que. Euh, parce que j'y ai repensé après la conversation que j'ai eue avec Ben. Puis. La question que j'ai posée, puis j'ai adoré sa réponse, c'est qu'on sait maintenant, le VO2 max, c'est la chose qui est le meilleur indicateur pour la longévité. Okay. Ça, c'est la chose principale, mettons. Tous les, toutes les autres facteurs, est-ce que, euh, est que tu fumes des cigarettes, est-ce que euh, tu as des mauvaises habitudes de vie, tout ça, c'est moins... C'est moins représentatif de l'espérance de vie que le VO2 max. OK, avec longévité d'un Long... humain, là, pas d'un athlète. Longévité d'un humain. Okay. humain. Puis, autre chose qu'on entend, c'est que le jeûne intermittent, ça a été prouvé, c'est bon pour ralentir le vieillissement des cellules. Ouais. Fait que là, moi, j'ai proposé à Ben, j'ai dit, ouais, mais on sait que le jeûne intermittent, c'est bon pour ralentir les cellules. Qu'est-ce qu'on fait avec la nutrition, comme tu me parles, tu sais, de dire, ben là, fuck le jeûne intermittent, on mange le matin, on mange tout le temps, on mange le plus le plus mm. qu'on peut. Il dit considérant que le VO2 max, c'est le meilleur déterminant de ça, on s'en crisse du vieillissement des cellules. Si tu améliores ton VO2 max, mm -hmm. si tu restes en forme, si tu alimentes ta performance. Euh, le jeûne intermittent n'a rien à voir versus être en forme, être en santé, avoir un bon VO2 max. Mm -hmm. Puis ça fait du sens quand, quand ouais. tu l'expliques comme ça. Puis comme tu dis. Peut-être le, le, le jeûne intermittent, pas si tu t'entraînes 10 heures par semaine. Non. Ça fait pas de sens, là. Non. Ça fait pas de sens. Parce que ce que j'ai de la misère à comprendre aussi, puis là, tu sais, je suis pas scientifique, je suis pas, pas nutritionniste, rien, mais tu sais, on a toujours entendu, par exemple, des régimes, tu sais, des gens qui font des régimes, ils se privent, mm -hmm. puis là, à un certain point, ben là, ça marche plus, puis ils recommencent à manger, mais là, ils reprennent plein de poids parce que le, le corps a de la misère a peur, en fait, de manquer ouais, de, de nutriments. Nutriment, oui. Fait qu'il va faire des réserves, mais je me dis, c'est pas le même principe pour le jeûne aussi, tu Peut-être, il... au niveau des habitudes d'alimentation, de, 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 c'est sûr c'est pas bon, mm. C'est sûr c'est pas bon, parce qu'en plus de, de ça, potentiellement, je sais pas, mais c'est sûr qu'il y a le craving qui va venir, les oui. gros cravings, tu te prives jusqu'à 1h PM, tes deux repas vont être énormes, ça va être disproportionné, ton énergie va être répartie tout croche dans ta journée. Mm. C'est sûr, c'est pas bon pour des athlètes. Peut-être pour oui. quelqu'un qui est vraiment sédentaire, là, mettons. Ouais. Mais, mais, mais encore, là. moi, je me lève puis j'ai très faim, fait ouais, que je pourrais pas attendre. Mais se lever à 4 heures puis être affamé, c'est un énorme flag. Là. Oui. Moi, oui. ce matin, je me suis levé et j'avais vraiment faim. Puis Je sais, là, je sais. C'est compliqué quand même quand t'es pas chez vous. Mm -hmm. En ce moment, tu sais j'étais à Montréal, j'essaie de m'entraîner. Hier, je me suis entraîné deux heures. J'ai couru avant qu'on qu se voit. Okay. J'ai mangé 30, 3000 mètres. Puis j'étais comme en deux affaires. Je suis venu ici au studio, j'avais un meeting là. J'ai mangé un Pokéball au milieu de la journée. Je suis arrivé euh, chez ma soeur où est-ce que je dormais. J'ai comme pas vraiment soupé. À ah, matin, je me suis levé, j'avais faim, puis j'étais comme, mm. c'était vraiment sous-optimal ce que j'étais en train de faire en ce ouais. moment. Il faut pas que je fasse ça trop longtemps. Mais. Non, c'est ça. C'est important, la nutrition, vraiment. C'est la clé là, pour l'athlète, vraiment. T'as Tu eu la chance d'essayer le Carb Boost? Je te mets en le spot, tu l'as pas encore essayé? Je vais le faire en fin de semaine, c'est mon Après. premier brick. Tu as, as sûrement déjà fait ça, mais... non pas encore. Non. Mais ça, ça va arriver bientôt. Fait que j'ai ça en fin de semaine, fait que je me suis dit, bon, là... Dans le fond, ma stratégie pour l'Ironman, le demi-Ironman, ouais. ça serait d'avoir Upica euh, dans mes bouteilles pour le vélo puis possiblement euh, des gels pour la ouais. course. Ouais. Ça serait comme mon best là, qui est le plus facile que je pense parce que moi, j'étais habituée aussi à la fin en marathon de comme avoir rien sur moi vu que ouais. j'avais des bouteilles. Ouais. Que là, je me vois mal courir avec des bouteilles. Puis, puis... sur un demi-marathon, euh, tu peux avoir assez de gel pour ton demi-marathon. C'est ça. Moi, le marathon de Québec, je l'ai fait… J'ai amené tous mes gels avec moi. Puis j'avais des mortaines, mais genre, j'avais trop de gel. Là. Je prenais un mortaine à chaque 20 minutes. Fait que, genre, j'avais une ceinture. <laughs> j'avais bien de trop de gel au début. Genre, euh, après une heure, c'est correct parce que j'en avais déjà enlevé quatre. Ouais. J'en avais pris au début puis trois pendant. Mais au début, là, mon premier kilo, j'avais une ceinture de gel qui brassait de même. J'avais, je pense, j'avais 12 gels mortaines autour de moi puis dans mes poches. <laughs> T'es-tu tout pris les 12? Euh, j'en ai pris un à chaque 20 minutes sinon, je prenais du get-raid à chaque fois que j'arrivais au. Ouais. Wow. Puis comme de fait, je suis resté. C'est vraiment parce que je n'étais pas entraîné pour un marathon. Je n'avais pas fait de bloc de spécifique marathon. J'avais fait 60 kg de bike la veille. Mais c'est les jambes qui ont lâché. Okay. Mais l'énergie était encore top. Là. Quand je me rappelle, on s'est parlé de mon arrivée au marathon d'Ottawa. Ouais. Où est-ce que j'étais comme mêlé puis je voyais mal. Puis il y a un gars avec une chaise roulante qui est venu tellement j'étais désorienté, puis je venais de pisser dessus, puis ça allait être tout pris pour faire 2h49. Là, j'ai fait 2h48, j'étais arrivé, je tapais dans la main des gars, je parlais oui. à tout le monde, puis j'étais encore vraiment top shape, tu sais. Mm. Puis euh, je suis sûr, c'est ça, là. Un oui. gel mortel à chaque 20 minutes, plus du Gatorade à chaque fois que j'en avais. Mais tu vas voir, tout ça pour dire, je voulais pas te mettre en de spot, peut-être t'aimeras pas ça, mais ces jours-ci, je le fais, puis c'est vraiment facile. Un scoop d'endurance, okay. deux scoops de, de carb Bo boost okay. dans 500 à 650 ml, puis tu as 79 grammes par bouteille, je prends un gel en plus, j'amène ça à comme 104 grammes à l'heure, puis ça descend vraiment bien. Okay. Tu me le diras si ça, si ça fonctionne, là, ouais. mais ça passe vraiment, vraiment bien. OK. ben c'est intéressant parce que la stratégie avec ma coach, c'est ça un peu aussi, on veut comme loader la nutrition sur le vélo, ouais pour que justement, aies du jeu en course à pied oh c'est ouais. plus difficile. À... Faut que le vélo quasiment, là, parce que ouais. tu, ça, ça brasse pas tant que ça. Puis, euh... Non, c'est ça. Ouais. Puis pour vrai, je le vois en ce moment, je suis capable de prendre tellement ben oui. plus que je, que je faisais ben oui, en course à pied. Là. Fait que peut-être ça va m'aider aussi pour la course, hein, éventuellement. Peut-être que je vais m'entraîner un peu, sans que ça soit à l'extrême pour la ouais. course. Là. Ouais. Mm. Très cool! Merci beaucoup d'être venu, de m'avoir écrit, c'est vraiment apprécié. Un un merci super de, de m'avoir permis de passer mon message ouais. au... Peut-être aider quelques personnes. Mais c'est vraiment drôle. Puis là, je ne repars pas pour 10 euh, minutes. <laughs> mais euh, parce que ça, c'est un peu le message de ce podcast-là. Au final, ce que je réalise, là, ce que je commence à réaliser. Puis l'idée, ce n'était pas de faire un podcast UPICA pour pousser la nutrition. Parce que UPICA, c'est un brand de nutrition. Puis c'était vraiment pas ça le, con le concept à la base. Je voulais, juste, je veux encore juste avoir des conversations sur des sujets que j'aime avec des gens que j'aime. Puis des, des, des geeks de sport qui sont tripeux aussi comme moi. Mais c'est le message qui revient. Mm. C'est ça qui revient. Mm. C'est ça qu'on réalise maintenant, que quand même, hey, on était dans le champ. Vraiment. Collectivement, on a été dans le champ. Il y avait des climats toxiques dans tous les sports qui ont mené à une culture de restriction. Mm. Puis on était dans le champ. Mm. Puis là, les meilleurs au monde, c'est les Norvégiens qui, eux, sont à. 120 jusqu'à en ce moment ils sont en train d'essayer 160 grammes de carbs alors genre c'est ça, c'est les meilleurs au monde, c'est eux. Mm. puis tout le reste du monde, on avait des affaires comme les camps d'entraînement Nike où est-ce que t'avais l'espèce de malade, là, Salazar, là, oui. qui, qui, qui abusait le monde, qui, qui disait aux filles de se peser tout le temps. On était dans le champ depuis mm. le début. C'est fou là! tu sais, c'est peut-être aussi OK, t'es plus petit, tu performes, je sais pas, moi un an. Ouais. mais si tu veux être un athlète à long terme ça long ça va jamais en... marcher mais ça en... jamais jamais maison en... cool merci beaucoup merci c'est super ouais.